Avec boum. Salut à tous, Tumble107 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept sur la chaîne, une petite vidéo un peu spéciale. Je ne sais pas si ça sera du coup une série sur ma chaîne, mais pour le coup j'avais envie du coup de faire une vidéo sur 5 secrets, un peu justement comme Conqueror. C'est clairement une vidéo inspirée de Conqueror, en vrai on va pas se mentir. C'est limite du plagiat. Mais du coup voilà, je vous ai déniché 5 secrets sur Street Fighter 2. Non Street Fighter 1, non Street Fighter 3, 4, machin, c'est vraiment que sur Street Fighter 2. Donc j'ai essayé de prendre des secrets pas trop connus, évidemment. Genre le fait que l'on puisse débloquer Akuma dans Super Street Fighter 2 X, c'est plus un secret. Ça l'était peut-être en 95, mais ça c'est plus le cas. Bien sûr, tous les secrets que j'aurai cités, il y aura les sources en description. Donc si vous voulez vous documenter, voir un peu, etc. Si vous voulez vérifier tout simplement, il y a du coup les sources en description. Nous connaissons tous Mike Tyson, boxeur phare des années 90, qui a inspiré du coup le personnage de Balrog, et également à honneur comme boss final du mythique Mike Tyson's Punch-Out. Celui-ci est à l'origine d'une confusion, surtout pour nous, Européens, quand l'on souhaite jouer à une version originale du jeu, et que l'on voit que, effectivement, Balrog s'appelle en fait M. Bison, là où justement dans cette version, M. Bison s'appelle en fait Vega, justement. Petite anecdote comme ça, vite fait. Pour dire à quel point je suis con, puis absolument pas informé, j'ai pensé que l'équipe en charge du portage de Street Fighter 2 sur Super Famicom s'était juste nullement gouré sur les noms de leurs boss. Bon, évidemment, ils sont pas aussi pour faire une telle faute, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi une telle différence. Lors du développement du portage international pour les US et l'Europe, Capcom USA, pour éviter un procès suite au nom original de Balrog, qui je rappelle est M. Bison, M. Bison pour Mike Bison, M. Bison qui est un nom beaucoup trop ressemblant à Tyson dans sa prononciation, Capcom Europe et USA inverseront alors les noms de leur emblématique boss. Balrog devient alors Vega, Vega devient M. Bison, et M. Bison devient du coup Balrog. Et il y a juste Sagat qui a du coup été épargné par ce changement de nom. Mais du coup, suite à ce changement, pour éviter la confusion dans le milieu compétitif et autres, on les appelle plus généralement Dictator pour le boss final, Claw qui veut dire griffe, et Boxer pour Boxer, ouais. Round 2, fight! Sur les opus Super Nintendo, Super NES ainsi que Super Famicom, il existe un code semblable aux deux premières versions, mais offrant différentes possibilités dans chacune d'elles. Le code est tout aussi simple, BROLYBXA. Lorsque le logo Capcom apparaît dans World Warrior, en répétant rapidement cette manipulation dans cet opus, vous pourrez tous deux sélectionner le même personnage. Action qui n'était pas possible avant l'opus Champion Edition, qui accessoirement n'est pas sorti sur Super Nintendo. Dans l'opus Hyper Fighting, alias Street Fighter 2 Turbo, les améliorations par rapport au premier opus sont vraiment importantes et significatives. Possibilité, cette fois, de sélectionner deux fois le même personnage sans exécuter un code ou une astuce, mais vraiment la grande nouveauté de cet opus Hyper Fighting, c'est évidemment le mode turbo, matérialisé sur le menu par ce système d'étoiles. Pendant le défilement de turbo, en exécutant la manip énoncée précédemment, vous pourrez débloquer un mode de vitesse allant jusqu'à 10 étoiles. On peut voir rien qu'à ces extraits que le jeu n'a plus rien à voir en fait. Round 3, fight! Dans The World Warrior ainsi que Hyper Fighting, Ryu a la possibilité d'envoyer un Hadouken orange. Celui-ci n'est pas dû à un bug graphique,
ou bien un problème technique. Il n'a même aucune conséquence supplémentaire sur le gameplay, c'est juste un Hadouken tout à fait basique. Mais il se trouve qu'il s'agissait en fait d'un easter egg implémenté par les développeurs. C'est seulement à partir de The New Challengers que Capcom décidera alors d'en faire une attaque particulière pour Ryu. Round 4, fight! L'avant-dernier secret concerne un caillou. Oui, un caillou, ne partez pas, laissez-moi vous expliquer. Sur les différentes images, l'illustration et tout ça, on peut voir dans ces stages des fois des cailloux. Que ce soit dans le stage de Ken, dans le stage de Chun-Li, dans celui de Guile, ainsi que dans celui de Sagat, on peut apercevoir du coup ce rocher. Je sais, vous allez me dire, Tumble, c'est qu'un rocher? Mais sauf que non, il s'agit en fait du Noble Rock of Justice and Fair Play. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Lors du développement, un développeur a remarqué que la position des roches dans le jeu permettait de repérer où commencer le combo Corner Trap Ryu's. Pour résoudre ce problème, un développeur a randomisé la position des roches pour qu'elles se déplacent entre les matchs. Round 5, fight! Cinquième et dernier secret, mon secret préféré de cette sélection, le fameux mode turbo, mode emblématique de Street Fighter. Juste avant, je vous ai révélé comment le jouer à la vitesse maximum, mais je ne vous avais pas dit comment est-ce qu'il avait été créé et pensé. Donc voici de quoi on va parler comme dernier secret. Dans le monde du jeu vidéo sur console, la contrefaçon ça existe depuis la nuit des temps. Et celle-ci n'est pas réservée uniquement à nos consoles de salon, mais également aux bandes d'arcade. Street Fighter Rainbow Edition. C'est une version hackée de Champion Edition sur borne. Créée et fabriquée par l'entreprise chinoise Young HSI en 1992, elle présente des ajouts supplémentaires par rapport à la version de base, comme une palette de couleurs variées, mais surtout une vitesse grandement augmentée. Les devs de Capcom ayant certainement été mis au courant, trouveront que cette version était bien trop déséquilibrée et finalement peu intéressante pour ce qu'elle proposait de plus. Petite précision, voici à quoi ressemble le gameplay. We can follow the play going the direction that you threw it. These are great to use like a shield. Kind of feels like I'm playing Guile, but like super cheap for shooting off. Now the pew! Well, in Rainbow Edition, you can sling them in the air. And yes, they still. This one of Blanca's is my favorite. Kind of do whatever you want from there. Jump again. Go into some other combos. How it determines what character you turn into is based on the loop of the fighter select screen. Not just the movement speed, but like the punching speed and the speed of all the moves is nuts. I'm surprised this title screen isn't like, check out this fierce Tatsu. Makes him a great starting character if you want to play with somebody who's never played Street Fighter before. Just spam light punch and he'll throw a projectile and it's like getting hit with a little super. Pour dire que il n'y a pas que la vitesse qui aide trop pour le coup. Mais c'est en revenant sur leur jeu de base, The World Warrior, qu'ils ne pourront pas s'empêcher de dire « Notre jeu est lent, putain !» Et quelques mois plus tard sortait Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Et bien sûr, la suite, vous la connaissez. Sur ce, les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai adoré l'écrire, ainsi que la tournée, ainsi que la montée et tout, parce que vraiment, Street Fighter 2, c'est un jeu que je surkiffe en ce moment. En plus, comme vous le savez très probablement, je joue toujours à Guile. Quand je regarde mon niveau du début, quand j'ai commencé un peu à jouer à Street Fighter 2, c'était la cata mon niveau, hein. Vraiment, je faisais que de la merde. Maintenant, je ressens quand même mon amélioration, puis ça me fait vraiment plaisir. Même si je pense que j'ai clairement pas non plus le niveau d'un pro, mais quand même, franchement, j'ai bien évolué dans Street Fighter 2. Donc si un de ces quatre voulait faire une partie contre moi, genre par exemple faire une vidéo sur quand on s'affronte sur Street Fighter 2, n'hésitez pas, dites-le en commentaire, sur Insta et tout, Tumble107YTPro, n'hésitez pas à venir, à vous abonner, puis être du coup au courant de quand les vidéos sortiront et tout. Pareil pour YouTube, abonnez-vous, ainsi que mettez la cloche également pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Franchement, n'hésitez pas à le faire, puis au pire, faites-le maintenant, puis si vous voyez que vous ne voulez pas être abonné, bah au pire désabonnez-vous. Bon, j'aurai un cool seum, mais tranquille. Du coup, voilà, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, du montage, parce que cette vidéo, du coup, a été scriptée. Et du coup, j'ai carrément un texte en face de moi, et du coup, dites-moi ce que vous pensez du texte et tout, de ma manière de dire. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. La dernière vidéo scriptée, elle était sur reconnaître les OST de Pokémon, qui, pour moi, est quand même une vidéo très sous-cotée, donc vraiment, n'hésitez pas à aller la voir tout d'un coup si ça peut vous intéresser, parce que vraiment, je trouve que c'est dommage que cette vidéo soit tombée dans l'oubli, donc du coup je la mets dans le i qui est juste ici.
Franchement, foncez, parce que c'est une bonne vidéo. Sur ce, les gars, abonnez-vous, mettez la cloche, likez, partagez, commentez. Puis moi, je vous dis, ciao pour la prochaine vidéo. Bye. Nous voici après l'outro, parce que j'ai une surprise à vous faire. Bon, désolé pour les bruits d'avion derrière, mais bon, bref. Et ouais. Ah merde. Et je presse pas sur la touche ZL ou ZR ou un truc comme ça, non. Je fais vraiment comme ça. Voilà. J'y arrive désormais, putain. Bon, bref.